Oh, on en a une nouvelle là-bas. Ça, c'est beau. Ils sont tellement biffed. Franchement, c'est des bœufs, quoi. Ordinaire. Ba la ba 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 la ba ba ba. De l'huile de crapaud. Très appétissant. Tout pour plaire. Conseillé pour tous vos plats. Bon, bah ça nous a fait un petit peu d'XP, c'était sympathique au final, vu qu'il y avait un boss caché. Hop. Ah Diana, j'ai entendu dire que tu étais devenue amie avec Soma récemment. D'accord, bah j'ai pas vu... J'ai pas regardé en même temps. Si j'avais eu des gains de la mission d'urgence dans les gains de la fin de ma mission. Mais il semblerait que non, donc... si on ne les fait pas, c'est juste perdu au coup. On a l'info maintenant. Ah, j'imagine que vous êtes tous les deux dans une position de commandement. Alors, vous vous entendez bien. Ah, tu es juste en train de faire une mission secrète? Tu n'es pas vraiment ami avec lui? Non, mais pourquoi est-ce que tu dirais ça? Ah, oh, s'il te plaît. Soma serait très triste d'entendre ça. Allez, dis-moi en plus à propos de Soma. Ah, Soma? Ah, je n'en sais pas beaucoup à son propos. Ah, Soma s'est battu aux côtés de mon père pendant le Awakening. Utakata était la base de la ligne de front. Alors beaucoup de Slayers étaient rassemblés ici. Parmi eux, il y avait Soma et les autres membres de la troisième compagnie. J'ai pris soin d'eux pendant un moment. Je n'avais alors que 10 ans. Mais tout le monde devait mettre la main à la pâte. Et c'est alors qu'est venue la nuit finale de l'Awakening. Soma a été amené sérieusement blessé. Ah, c'était très mauvais. Il n'y avait quasiment rien que je puisse faire. Il a survécu, on ne sait comment, et a réussi à passer la nuit. Un peu plus tard, il est retourné au Holy Mount avec les autres survivants. C'est tout ce que j'en sais. Mon père en sait probablement beaucoup plus à propos de lui que moi. Ces deux-là ont vaincu le puissant Oni et fermé la porte de l'Other World. Deux des héros qui ont sauvé les Midlands. C'est ce que tout le monde dit. Cependant, le reste de la troisième compagnie de Soma a été atomisé pendant la bataille. C'est également à ce moment-là que mon père a perdu son œil gauche. Ah, désolé, je suis en train de broyer du noir. Je dois rester lumineuse et chaleureuse, n'est-ce pas? J'ai frais de mon mieux. Ah, oh, you, c'est chaud. Il y a des moments où t'as le droit de te confier, hein, c'est plus sain. Et toi et Soma, faites également de votre mieux, s'il vous plaît. Oui! Bien sûr! On va être souriant et fier de notre mieux. Ouais, super. Aïe aïe aïe. Pa 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 pa. Avant de lui parler, on va faire notre petit tour. Pa pa pa. Alors, quand tu utilises le Revival, il y a moins de cooldown sur les compétences des alliés. Ah, c'est ça, c'est pour ça que parfois j'ai un double, enfin 3 bonus. C'est le Very Very Lucky Fortune.
Et pendant que j'ai Very Very Lucky Fortune, il faut que je fasse random. D'accord. J'avais oublié. Donc pendant que j'ai le Very Very Lucky Fortune, donc 3 bonus, égale, il faut que je fasse random et ça va faire que des coups de ouf. Ok. Ah, je peux baigner, je vais faire tout de suite. Comme ça, j'oublierai pas. Shikimi, ça y est. Ça y est, je suis l'âme. L'âme sœur de Shikimi et l'arme. Elle peut faire grid. Deux sets de matériaux peuvent occasionnellement apparaître lorsqu'on fait un rituel de purification. Ah, genre, je peux choper deux matériaux au lieu d'un seul par terre, quoi. D'accord, c'est rigolo. Oui, vu que je suis ultimate. C'est quoi? Protection des héros. En de rares occasions, l'utilisation d'une compétence peut ne pas compter dans le nombre des utilisations, d'accord. Ah oui, ça a plus de compatibilité avec les armes. D'accord. Donc il me reste plus que Oro et Reki. Convaincre. Convaincre que tout va bien se passer. Reki, il coule. Pourquoi il me tourne le dos, ça par contre on n'en a aucune idée. Je comprends pas ce qu'elle me dit. C'est quoi un bold streak? Streak, c'est une série, non? Qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi elle me tourne le dos? Donc, bold, c'est courageux, audacieux, osé, téméraire. Et streak. Une marque, une trace, une traînée, une marbrure, une mèche. Ah, une mèche. Peut-être une mèche. Tendance, côté. Ah, ou une tendance. Après, ça fait une série aussi. Ah, peut-être j'ai une tendance téméraire. Elle n'est pas sûre qu'elle aime ça. Ah, et Reki joue toute seule. Je comprends mieux, elle est en train de se faire du RP toute seule. En mode, ah, t'as vraiment... j'imagine que du coup ce soit une mèche téméraire, soit une un air téméraire. Je suis pas sûr d'aimer ça. Elle est en train de s'imaginer avec son bad boy. Bah, très bien, Reki. Amuse-toi bien dans le bain. Oh, est-ce que j'ai des trucs que je peux fortifier? Oui! Oh là, oh ça sent le 16. 16 points de défense là. Paf, paf. Paf. Et repaf. Merveilleux. J'ai acheté des trucs pour mon tanko par contre. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté tous ces trucs là. Spala, pa, 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 pa. Ah oui, il faut parler à Jean-Jacques. D'abord faire mon tanko à moi. Ensuite on va parler à Asoma. Ok, on va le changer un petit peu d'endroit. En vrai il faudrait que j'essaie de le mettre dans des endroits où je vais aller, mais bon. Parce que c'est important. Ayatori, un retournement de situation. J'écris à propos du petit Tenko. Du petit Tenko pour lequel je t'ai demandé conseil à plusieurs occasions. Je dois dire, j'étais plutôt inquiet. Sur le fait qu'il puisse être capable de s'en sortir tout seul. Cependant, quand
je suis allé près. Quand je me suis levé tôt l'autre matin, j'ai trouvé une très jolie substance de l'Otherworld au pied de ma maison. Je suis sûr que c'était le Tenko qui m'adressait. Enfin, qui me laissait savoir qu'il allait bien. J'aimerais que tu gardes l'un de ces cadeaux. Tu sais, quand j'ai vu ce Tenko lors de cette froide nuit, je ne savais vraiment pas quoi faire. Mais maintenant, je suis content que je suis content d'avoir été capable de l'aider. J'adore vraiment c'était le reste de la lettre. Le reste de la lettre est parsemé de marques semblables, enfin de marques d'eau, semblables à des larmes qui seraient tombées dessus et ne peut pas être lues en Hayatori. J'aime tellement les Tenko. Ah bah merci, gentil. Ba, 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 ba. Mon Tenko, il me fait les courses. C'est son bonheur et sa joie, ok? Alors, continuons notre enquête. Diana, bon timing. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Est-ce que tu pourrais m'amener à cette caverne de pierre de barrière où Ricky et toi avez été piégés? J'ai demandé à Shuzui si je pouvais lui emprunter sa carte, mais il m'a platement dit non. Pas très amical, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a entendu parler du fait de partager? Tu es celle qui a l'air de comprendre. Lors de la prochaine mission, prends-moi avec toi. Enfin, amène-moi là-bas. Tu veux savoir pourquoi? Je recherche quelque chose. J'aimerais vérifier si cela pourrait être au niveau de la caverne de Pierre de Barrière. Je m'apprête à partir pour une mission dans l'Age of Chaos. On va aller atomiser un Oni et également chercher la caverne. Ok, Diana? Paye-moi 1 million de haku. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas de la manière dont je vois les choses. Assez parlé. Allons-y, Diane. Vous êtes d'accord pour aller avec Soma dans cette fameuse mission? Les 5 délicatesses de la part de Kika. Cette crème glacée n'a été au final rien d'autre que de la glace. Est-ce que je fais quelque chose de mal? La recette finale est censée permettre de faire du caramel. Il faut que l'on mélange des ingrédients ensemble avec un gâteau de riz. Essayons ça. D'accord, on va essayer donc le caramel. Ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba. En avant vers la caverne de barrière. Non, la caverne de pierre de barrière. Oh, on va combattre une Glacia Bella à le retour. À deux. Tête à tête avec Soma. Ça va être dur. L'un des nouveaux Oni qu'on a découvert hier. Balapa. Balapa. Papapapa. Y crois. La Siabella, nous voilà. Ouf, c'était chaud la dernière fois. En plus, il faut qu'on la chasse. Oh là là. On me demande vraiment le meilleur de moi-même. On va faire 4, 7, 5, 1, 9, 6, 3, 2. Et perso, je parie sur le... Je parie sur le 9.
Yes. J'ai gagné mon pari. Oh la vache. Direct quoi. Direct. Je donne un numéro et c'est le bon. La fierté d'un monde. Ok. C'est parti. Glacia Bella. Rien, mais je vous assure qu'on frappe. Sans tome. C'est pas trop quoi ça va servir, mais on l'a fait. Ah! J'ai entendu pas ça. Je suis en train de me dire justement, il suffit de rester au niveau de la queue et on est safe, mais. Visiblement, pas du tout. Paradox, super cool. Maintenant je sais. C'est ce genre de choses peut arriver. En rouge. Il y a de la colère, hein. Nice. Triple bonus. Random. Ulti de speed. Capture ça. Nice. Cool. Eh bien, c'est l'autre bras qui est parti, qui a été auto-purifié. Ah, il y a une aile qui est partie aussi. Okay.